tu n'as pas besoin d'aller faire des leçons, apprendre comment on dirige un foyer. Un homme qui a l'esprit de Dieu ne sait pas comment diriger un foyer, une famille. Aïe! Il faut qu'on aille lui enseigner ça. Hé, hey, mon ami. Ah bah, misérable. Hé, hey. On te dit que l'homme doit aimer sa femme. Quel amour? L'amour agapao. L'amour agapao qui aime sa femme. Et l'amour agapao, Romains 5:5, a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as l'amour agapao. Et tu es incapable d'aimer ta femme. Quel amour? 1 Corinthiens 13:4. L'amour excuse tout, croit tout, prête tout, tout. Ça, c'est ça, l'amour qui est en toi là. Que Dieu qui est amour là, a excusé. Dieu qui est amour là, t'a pardonné. Dieu qui est amour là. Regarde 1 Corinthiens 13:4, 8. On te dit que l'amour ne faillit pas. Et c'est cet amour qui est en toi. Et toi, il faut qu'on t'apprenne comment faire des leçons sur la famille, le foyer. Ah, femme, homme, aïe. Chrétien, il faut vous secouer là. Secouez-vous là. Vous dormez. Oh, ya, ya. Pasteur, vous dormez. Vous tous. Je dis à tout le monde. Non. Je dis à tout le monde. Je suis un papa ici, je parle. Il n'y a rien. Non. Je ne suis pas d'accord. Hein. Faut arrêter ça. On n'est pas dans une religion là. On n'est pas là pour promouvoir une religion. On n'a pas besoin d'apprendre ces choses-là. C'est en toi. C'est faux. Tu dis, tu me regardes comme c'est faux. On t'a appris à embrasser. Oh, comme ça. Quittez-la. Non, tu veux que j'aille plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Le jour que tu t'es marié là, on t'a appris à faire l'affaire là. Il y a des choses que vous ne voulez pas. C'est en vous déjà. Ce qui est en vous, on ne vous apprend pas. L'amour est en vous. On n'a pas besoin de vous apprendre. Il faut qu'on vous apprenne que le mari doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Toi, tu lis ça, ça est en toi. Hey! Pasteur, vous voulez vous fatiguer? Fatiguez-vous? Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, tu n'as qu'à enseigner. De Y à Z, il ne veut pas comprendre. Laisse-le là-bas. Laisse-le tranquille. Joseph est là. D'esclave, il devient employé. Lis les termes, tu vas trouver les termes employé. Après, il devient gérant. Après, il devient PDG des affaires, Potiphar et fils. Il mange face à face avec Potiphar. Ses enfants sont de l'autre côté. Et en ce moment-là, la prospérité, la bénédiction, tout, même au dehors, dans les champs. Ce qui l'a amené là, a commencé à envahir tout, toutes les affaires de Joseph. Et puis, et il voit clair et net. Il y a tous les présidents chrétiens que j'ai vus et pour qui j'ai prié et qui sont devenus chrétiens, ils sont nombreux. Mais chaque fois, j'ai dit, je serai déçu. Quand ils deviennent présidents, on dirait qu'ils ont oublié même le béaba de la Bible. Tu vas prier pour quelqu'un, il va devenir directeur général. Mais dans 3 mois, tu vas entendre que ce DG et chrétien là, c'est le plus gros escroc. Regardez-vous, vous les DG et les DGET là, regardez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes honnête là où vous êtes? Depuis que vous avez pris l'entreprise, est-ce que l'entreprise a grandi entre vos mains? C'est ça. Joseph rentre. Mais pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Deuxièmement, il a l'onction de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Et dans le livre des Proverbes, on te dit que quand cet esprit, cette onction est là, ça donne la longue vie d'un côté, ça donne aussi la prospérité, ça donne tout le couronnement, ça donne tout pour élever. Comment un chrétien peut-il avoir l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance, et il n'affecte pas? On lui donne une entreprise incapable de diriger, on lui donne, il est professeur, incapable de faire, ses élèves échouent, ses étudiants échouent partout. Je ne comprends pas ça. Vous voulez impacter le monde dans quoi? Dites-moi un peu. Quand on veut inviter les gens, on invite les chrétiens évangéliques en dernière minute.
on va inviter toutes les religions, c'est quand maintenant, il n'y a rien, on va inviter. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Est-ce que tes voisins viennent te consulter quand ils ont des problèmes? Le gars est rentré, regardez-le. Mais quand c'est comme ça, le diable va venir. La prochaine étape, c'est le diable lui-même qui inspire la femme de Potiphar pour essayer. Mais heureusement que Potiphar va lui dire une chose, lui dit non, madame, je crains Dieu. Moi, je ne m'occupe pas de ces affaires-là. Parce qu'il est élevé maintenant. Il est dans les affaires Potiphar et fils. Il est élevé. Satan vient pour le détruire. Quand les chrétiens sont élevés, ils deviennent légers. Quand ils sont élevés là, aïe. C'est maïs seulement. Non. Même je vous parle, je vois dans le monde, je m'en vais. Il y a Bénin, Togo, tout. Zaïre, avant, au temps de Mobutu. J'étais là-bas. Conférence des choses qu'on a fait. J'étais là-bas. Tous ces gens-là, on a prié pour eux. Congo Brazza. Ici, Mali. Je peux te montrer la photo de tous ces présidents avec moi. On a prié pour eux. Mais tous m'ont déçu un à un. Dès qu'ils deviennent présidents, c'est fini. Abana. Et c'est comme ça, les chrétiens, ils sont là pleins. On a prié, le pasteur a prié pour eux, ils sont devenus DG, ils sont devenus ministres. C'est fini, on ne les voit plus à l'église. Et puis il dit, heureusement que Mohamed a eu été inspiré pour dire que devenir, vous allez être des conquérants. Il n'a pas dit que vous êtes des conquérants. Hein? Faut pas venir avec que Mohamed a dit que vous êtes conquérants. Il a dit de venir pour être conquérant. On va vous apprendre comment on peut devenir conquérant. Pas venir ici faire des slogans, je suis conquérant, conquérant. Tu n'es rien, mon ami. Ça va me flatter ici. Toi, tu es conquérant de quoi? Tu ne conquiers même pas ta maison, tu ne conquiers même pas le voisinage. Au service là, tu es planton depuis 1982. Tu n'es pas devenu chef de service encore. Tu as conquis quoi? On l'envoie en prison. On l'envoie en prison. Tu as vu Joseph se plaindre? Il a quitté le bon poste là. C'est qu'on avait, on appelle ça mettre au garage. J'étais avec un directeur qui m'a mis au garage 2 ans. Les gens disent, mais c'est injuste. Il dit, hey, il n'y a rien d'injuste. Moi, ma vie est contrôlée par Dieu. Dieu est en train de me réparer pour que je bondisse. J'ai dit aux gens, quand votre voiture est en panne, on amène ça où? Au garage, non? Quand on a fini de réparer, le mécanicien vous appelle de venir prendre votre voiture, oui ou non? Si le directeur là m'a dit que il m'enlève de mon poste de directeur commercial pour me mettre conseiller technique parce qu'il veut prendre quelqu'un d'autre et comme moi je ne tournais pas pour qu'il bouffe, il m'enlève et il met quelqu'un. Les gens sont venus, ah mais monsieur le directeur, il dit non, je suis conseiller technique, il ne faut plus m'appeler directeur. Il dit laissez, moi je suis ici là, Dieu va me réparer. Quand Dieu a fini de me réparer, la révolution est venue à Sankara. Directeur général de la plus grosse société du pays, on m'a appelé. J'ai fini d'être réparé, je suis monté. Tu entends? Mais si je m'étais plaint, je ne comprends pas, on ne comprend pas. Avec commencé à aller trouver des prophètes, prier pour nous, pour que le feu tombe sur le DG. Vous riez, c'est ça que vous demandez là. Si Dieu fait tomber sur tous les DG, les ministres injustes là, le pays sera vide, non? Et après, le feu va tomber sur vous-même. Quand le feu va chercher les ministres, il y en a plus. Il dit, bon, toi-même, je vais te bouffer. Hé, hey, chrétien, changez. Il faut changer. Tu as vu, il est en prison. Mais dès que le régisseur de la prison l'a vu, regardez, il ne le connaît pas, il ne se connaît même pas. Dès que le régisseur l'a vu, il a dit, voici un homme. Voici l'homme. Il dit, monsieur, quand je te regarde même, je suis convaincu que tu es un type bien. Je n'ai rien dit.